Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve à Lavaux pour une course de 85 km en Open 1. Venez avec moi, je vous raconte tout. Aujourd'hui on va courir en Open 1, je vais vous faire un petit rappel des catégories pour que vous compreniez bien en ce début de saison comment ça va se passer durant toute la saison. Du coup l'année dernière j'étais en Open 2, la catégorie en dessous. Open 1 c'est la catégorie du coup que je vais courir aujourd'hui, et au-dessus il y a la catégorie Elite que vous avez pu voir la semaine dernière. Donc techniquement le niveau va être plus bas ce week-end. Mais vous allez voir, c'est deux façons d'approcher la course différentes. Quand j'attaque une course élite, l'objectif c'est de finir. Si jamais je finis, c'est déjà une belle réussite. Si je fais un top 15, ça sera un exploit. Alors qu'ici en Open 1, l'idée ça va être quand même d'aller chercher un podium, une victoire. Quoi qu'il arrive, l'idée c'est pas d'attendre dans le peloton. En ce début de saison, aujourd'hui l'objectif ça va être de faire un top 15, ça serait vraiment bien. Aujourd'hui le temps il est catastrophique, ça va être assez tendu, ça va sûrement frotter beaucoup. L'idée ça va être aussi de rester sur le vélo je pense, donc on verra bien ce que ça donne. L'objectif principal que je me donne aujourd'hui c'est d'être audacieux, prendre des risques et ne pas attendre au chaud dans le peloton. Vraiment essayer de jouer à l'avant, je dis ça maintenant alors que je suis pas encore sur le vélo, on verra si j'ai les jambes. Parce qu'on est quand même en Open 1, je vous rappelle que l'année dernière on était en Open 2, la catégorie en dessous. Je parle comme si ça allait être facile, je sais pas le niveau de mes adversaires, c'est le début de saison. On verra bien, mais l'idée ça va être vraiment de me faire mal afin de progresser, d'évoluer. Parce que la semaine prochaine je retourne en élite, donc il va falloir que j'ai les jambes. Bon, aujourd'hui la nuance c'est que je vais courir avec ce maillot, le maillot de mon club de Bressuire. Je vous réexplique, parce qu'on est en début de saison, je comprends que vous soyez perdu. La semaine dernière je courais avec un maillot blanc, le maillot de la team de Sèvres, et aujourd'hui avec le maillot jaune. Pourquoi? En gros l'idée c'est que je suis dans le club de Bressuire, donc ce maillot là. Sur les courses normales je courrai toujours avec ce maillot là. Par contre quand je fais des courses nationales, donc les courses élites, je cours avec la team de Sèvres et donc avec le maillot blanc de la team de Sèvres. Ce week-end c'est une course normale en Open 1, je serai avec ce maillot là. Donc si vous me cherchez dans le peloton, c'est ça qu'il faut chercher. Ouais bah la météo elle est un peu mieux que tout à l'heure, il pleut plus, les routes sont trempées, ça c'est sûr, on va être mouillé, ça va glisser, il va falloir faire très attention et être vigilant. Mais il pleut plus, c'est déjà un peu plus confortable, il fait un peu moins froid. Ça y est, on est sur la ligne de départ, on part pour 85 km et 16 tours de circuit. Un circuit qui va être ultra rapide, vous allez voir très rapidement de toute manière, parce qu'on va faire 45 de moyenne, c'est-à-dire plus que la semaine dernière en élite. Ça promet une course qui va être très intense et on peut le voir sur mon visage, je suis quand même un peu stressé. Malgré que le niveau soit un peu plus bas que la semaine dernière, ça reste une course qui va être difficile parce que ça reste un niveau plus haut que celui que j'avais l'année dernière pendant toute la saison. Donc il va falloir que je m'accroche et vu le temps qu'il fait, en plus ça va pas aider. Ça part d'ailleurs très très vite avec un club de Saint-Herblain qui était surreprésenté. Ils ont directement allumé le moteur et ça a fait très très mal aux jambes immédiatement. Et avant que la course ne prenne trop de vitesse, je t'invite à liker cette vidéo. Sur cette chaîne, tu retrouveras toutes les courses auxquelles je vais participer cette saison. Donc si tu veux rien louper, n'oublie pas de t'abonner, comme ça tu rejoins l'équipe et tu auras une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je compte sur vous. La particularité du jour, c'est qu'il faisait vraiment pas beau. Les routes étaient trempées, donc fallait être vigilant. J'étais tombé la semaine précédente, donc j'avais un petit peu peur de renouveler l'expérience et de retomber à nouveau. Donc en fait, en début de course, je vais être un petit peu vigilant, peut-être un peu trop. Et comme vous l'avez vu, contrairement à d'habitude, je suis pas parti première ligne. Peut-être un manque de confiance, pour être sincère, je pense que c'est ça. J'ai un peu peur, en fait, de m'imposer dans un peloton Open 1. J'ai toujours dans ma tête la petite case qui me dit non, t'es un Open 2. Alors que non, j'ai marqué les points et je suis monté par moi-même en Open 1. J'ai ma place dans le peloton Open 1. Mais dans ma tête, j'ai toujours ce petit complexe d'infériorité où je me dis ok, j'ai pas le niveau, faut que je sois plus sage, faut que je prenne moins de risques, faut pas que je dérange les autres. Tu vois, genre, il y a ce petit truc là qui devrait pas être là, mais qui est là. D'ailleurs, devant moi, regardez, on a Louis, donc un de mes équipiers de la team de Sèvres, qui, comme moi, est dans le club de Bressuire quand on ne court pas avec la team de Sèvres. Donc aujourd'hui, on est deux au départ, deux pour s'entraider, mais vous allez voir que je vais pas le voir beaucoup aujourd'hui. Je sais pas si vous avez regardé, mais depuis le départ, on est à plus de 50 km/h. Ça roule vraiment, vraiment vite, et à une telle vitesse, t'as beau vouloir remonter, sincèrement, c'est quasiment impossible. Ça demanderait vraiment de mettre beaucoup, beaucoup d'énergie supplémentaire. Malheureusement, mon capteur de puissance est toujours en service après-vente, donc je n'ai pas les statistiques de puissance. C'est bien dommage, parce que je pense que là, ça a envoyé beaucoup de watts. Et d'ailleurs, on peut le voir, les petits gabarits comme le coureur ici en vert, eh ben, ils ont du mal, c'est normal. Ça roule vraiment, vraiment vite, il faut de la force brute. Heureusement, moi, la force brute, j'en ai. Ça m'arrange bien sur un circuit comme ça, mais je suis pas hyper en forme sur ce début de course, c'est un petit peu difficile. Faut savoir qu'il y a une variable qui est différente de d'habitude, je n'ai pas roulé la veille, c'est-à-dire que j'ai travaillé, d'habitude je roule, je fais au moins une sortie déblocage, et là je n'ai rien fait du tout, ce qui est donc la grosse différence par rapport à d'habitude. Et sur ce début de course, je dirais pendant la première heure environ, j'avais les jambes lourdes, je me sentais pas en forme, je me sentais
Voilà, c'était dur. En plus de ça, bien sûr, la course était à un niveau très élevé. Ça roulait vraiment vite, donc ça aide vraiment pas. Mais en plus de ça, le fait de ne pas avoir roulé la veille et en plus de ne pas avoir eu trop le temps de m'échauffer avec le temps qu'il a fait, je pense que la globalité fait que j'ai mis du temps à me rentrer dans la course. Donc, heureusement, vous allez voir que malgré des échappées qui sont parties avec des tentatives assez grosses, hein, parce qu'il y a un moment, il y avait un groupe de 20 coureurs qui sont sortis, toutes ces échappées vont être vaines et tout sera remis à zéro assez rapidement. Mais sur ce début de course, si l'échappée était partie, j'aurais rien pu faire. C'est-à-dire que je suis parti ici, milieu de peloton, on était 150 au départ, je crois, donc on est en 75e place. Regardez comment c'est étiré le peloton, on voit même pas la tête tellement il est loin. Je suis parti milieu de peloton, je suis resté milieu de peloton pendant une bonne partie de la course parce que c'était juste hyper dur de remonter. Et là, je parle pas de placement à proprement parler, comme ça a pu être le cas en élite la semaine dernière où j'avais peur de remonter parce que ça frottait dur. Ça frottait, mais pas tant que ça. J'étais pas dans une situation où j'avais peur de frotter. Vraiment, là, j'avais pas les capacités de remonter. On est maintenant dans l'avant-dernière ligne droite avant l'arrivée, une ligne droite où ça roulait extrêmement vite, d'ailleurs assez régulièrement à plus de 60 km/h. Et regardez, dès le premier tour, grosse cassure devant moi. En fait, les coureurs qui sont un peu plus justes et qui sont donc en difficulté dans les parties les plus demandantes de watts, eh bien regardez, grosse cassure devant moi. Ce qui veut dire que, bah, heureusement, y a des coureurs qui me ramènent, mais si jamais ça n'avait pas été le cas, c'est moi qui aurais dû faire l'effort. Étant déjà à 180 BPM, ça m'aurait demandé vraiment beaucoup d'énergie, de l'énergie que je n'aurais pas eu à l'arrivée. Bon, là, ici, j'ai de la chance. Il y a des coureurs qui me ramènent un petit peu à moindre coût. J'ai quand même évité le pire. On n'a fait que 4 km de course et je suis déjà dans une cassure. Ça signifie quoi? Ça signifie que je suis dans le mauvais endroit du peloton. Je suis avec les mecs qui sont un peu justes, les mecs qui malheureusement vont craquer et créer des cassures comme celle-ci. Et par conséquent, ça me demande, moi, des efforts vraiment conséquents pour compenser les erreurs des autres. Et c'est ma faute. C'est moi qui devrais ne pas être aussi loin dans le peloton. Et je m'en rends compte, hein, je m'en rends compte à ce moment-là de la course, je le sais. Je ne suis pas assez bien placé. Et la preuve en est, regardez ce qui va se passer. Quand on est mal placé, il y a les cassures, mais il y a aussi les chutes. Et là, grosse chute devant nous, le coureur va au sol. Et par chance, parce que là, pour le coup, j'ai de la chance, c'est que j'étais 2-3 lignes derrière, donc j'ai eu le temps de réagir, j'ai eu le temps de freiner. Et si on regarde le replay, je passe entre le vélo et le coureur, à quelques centimètres près, ou à quelques secondes de réflexe en moins. Bah, j'étais complètement dans la rue, je tombais et c'était rebelote comme la semaine dernière. Donc là, j'ai eu de la chance, mais ça me rappelle encore une fois que je suis pas assez bien placé. Je suis là où il se passe tout le négatif de la course. Donc maintenant, faut faire un effort, faut boucher le trou pour revenir encore une fois sur le peloton. Donc là, c'est ce que je fais immédiatement. Je prends pas le risque d'attendre que quelqu'un le fasse pour moi. Donc de nouveau, je suis à 180 BPM. Et ce qui se passe sur cette course, je pense, de par le fait que c'est la reprise, le fait que ça fait longtemps que j'ai pas fait de course, mon corps, ou du moins ma tête, n'a plus l'habitude de faire des efforts difficiles. Effectivement, à l'entraînement, là, j'ai fait énormément d'endurance, je suis à 4000 bornes, je crois, d'endurance, mais j'ai pas encore commencé vraiment le cycle PMA, c'est-à-dire le cycle d'intensité où on se fait mal à l'entraînement, tout simplement parce que là, je vais bientôt partir en Espagne, finaliser ma préparation, et que l'objectif, c'est d'arriver en forme à mon retour d'Espagne mi-mars. Donc techniquement, là actuellement, je ne suis pas encore prêt pour les courses. Et c'est là que, en analysant, je me rends compte que c'est totalement le cas. J'ai fait que 169 de moyenne. D'ailleurs, j'ai fait une plus haute moyenne que la semaine précédente en élite. 169, ce qui est moins que mon habitude. En Open 2, l'année précédente, je tournais à 175 de moyenne au cœur, ce qui était donc plus haut. Et j'avais plus l'habitude de me faire mal. Là, je suis à 180 BPM actuellement. L'année dernière, c'était ma normalité. Ici, dans ma tête en tout cas, je trouvais ça trop difficile, donc je ne remontais pas parce que je considérais ne pas avoir les capacités pour remonter. Alors que concrètement, est-ce que je les avais? Peut-être, on saura pas. Mais surtout, là j'ai un blocage, je pense, mental, en plus que les jambes, parce que je me disais c'est trop dur. Alors que non, je peux monter jusqu'à 200 BPM et j'ai encore une marge de 20 pulsations. J'en suis capable concrètement, j'en suis vraiment capable, mais juste... J'ai un blocage, je pense, et va falloir que je travaille ça pour les prochaines courses. Donc c'est ça qui est utile d'ailleurs avec ces vidéos, c'est que je peux analyser un petit peu à froid qu'est-ce qui s'est passé dans cette course. Et en l'occurrence, c'est que j'ai pas réussi à me faire assez mal. Donc par conséquent, je suis parti milieu de peloton, je suis toujours milieu de peloton, j'arrive pas à remonter, j'arrive pas à passer ce petit gap où je me dis « Ok, faut que je fasse l'effort pour replacer ». Et je ne le fais pas parce que je considère que je suis déjà à bloc. C'est pas bien. En l'occurrence, là, on va commencer le cycle PMA avec mon entraîneur. On va taper dedans un peu plus. Et il va falloir vraiment que je m'habitue à me faire mal. Que j'apprenne à souffrir un peu plus sur mon vélo.
parce que c'est pas en restant à 180 BPM que je vais réussir à gagner une course. C'est en tapant les 200, en étant vraiment plus haut. Alors malheureusement, on n'a pas la puissance, encore une fois, je suis hyper frustré de ne pas pouvoir analyser ça et voir un petit peu à quelle puissance ici on roulait, pour voir un petit peu si tout simplement ça roulait fort ou pas. Mais bon, après avoir eu le retour de pas mal de coureurs, ça roulait fort, hein, clairement ça roulait très très fort. Moi comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé ça plus dur que la semaine précédente en élite, donc autant vous dire que ça représente quand même une certaine difficulté. Et en plus de ça, contrairement à la course de la semaine d'avant, il n'y avait pas de coupure, c'est-à-dire que la semaine d'avant, un coup ça roulait fort, un coup ça roulait très doucement. Là, ça a roulé fort tout le long, 45 de moyenne. L'autre souci aussi, quand on est mal placé à l'arrière d'un peloton, c'est que là, par exemple, le vent vient de la gauche, donc il y a une grosse bordure sur la droite pour les derniers du peloton, et en l'occurrence, je suis pas dernier, hein, je suis vraiment dans le milieu, mais je suis après la boule principale. Et du coup, le vent vient de la gauche, tout le monde se serre sur la droite, moi je me retrouve dans la bordure à droite, alors heureusement, là, il y a le coureur en bleu qui me protège, mais en fait, ça me demande des efforts beaucoup plus difficiles que si j'étais dans la boule principale à l'avant du peloton. Voilà, c'est des efforts qui, ça plus ça plus ça, vont me coûter cher à la fin de la course si je veux aller chercher un résultat. Et après 50 minutes de course, 40 km parcourus, pour la première fois, regardez, je vais essayer de remonter, me placer un peu plus à l'avant du peloton. C'est la première fois que je gagne des places au sein de ce peloton depuis le départ. En 40 bornes, je n'ai pas bougé d'un millimètre. Alors que par exemple, on peut retrouver Louis devant là, en jaune fluo avec le même maillot que moi. Lui, il est super fort en placement. Il n'a pas bougé des 20 premières positions pendant toute la course. Il est hyper fort en placement. Et moi, du coup, c'était un peu mon point de repère. Vu que je le connais, je sais que concrètement, lui, il est toujours bien placé. Donc mon objectif, c'était d'essayer de remonter à sa hauteur, essayer d'être aussi bien placé que lui. Et par conséquent, si c'est le cas, ça veut dire que je suis pas si mal placé. Et regardez, là, à ce moment-là de la course, j'arrive à peu près à sa hauteur. Donc je me dis, ok, là, ça commence à être un peu plus sympa. Et finalement, je vais le voir. Je lui dis, ok, on descend pas plus bas parce que derrière, on force plus que ce que toi, tu forces ici devant. Donc là, il va me dire, ouais, bah évidemment, enfin, faut rester placé. Et vous allez voir qu'assez rapidement, lui, il va réussir à garder sa position au sein du peloton. Et moi, au fur et à mesure, je vais redescendre. On passe sur la ligne, il nous reste 2 tours à parcourir. Pendant cette course, il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu énormément d'attaques. Il y a eu des échappées à plus de 20 coureurs à un moment. Enfin, bref, il y a eu beaucoup de mouvements à l'avant. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai rien vu du tout, c'est-à-dire que je n'ai pas bougé de ma place. Je suis parti milieu de peloton, j'ai fait la course milieu de peloton, je suis toujours milieu de peloton. Je n'arrive pas à m'en sortir pendant cette course. Et là, à ce moment-là de la course, on est à 2 tours de l'arrivée. Regardez mon cœur, je suis à quasiment 190 BPM. Et là, pour le coup, c'est le moment où j'ai été le plus haut pendant la course. Pourquoi ? Tout simplement parce que devant, il y a une échappée de 5-6 coureurs, il me semble. Et à l'avant du peloton, les équipes qui ne sont pas représentées ou qui considèrent qu'il faut revenir sur l'échappée, roule. Et là, ça roule hyper fort, ça s'est organisé un petit peu en dernière minute, à 2 tours de l'arrivée, comme ça. Et du coup, ça va rouler extrêmement vite pendant les 2 derniers tours, à un point où je ne vais plus pouvoir récupérer. C'est-à-dire que je suis à 190 BPM. Moi, je m'étais dit, bon, j'ai rien foutu de la course, vraiment, là, j'ai rien foutu de la course. La moindre des choses, c'est d'essayer de remonter pour faire le sprint. Au sprint, il y a peut-être un monde où, du coup, je suis super frais et je vais réussir à faire un bon résultat. Sauf que là, à 2 tours de la fin, la tête du peloton a décidé de réellement enclencher le travail. Et maintenant, ça va rouler hyper vite à un point où je ne suis physiquement plus capable de remonter, me placer. Même dans la partie où il y a tous les virages, j'avais l'habitude de redescendre en dessous de 160 BPM. Ici, je suis toujours à 180. En fait, là, ça ne va plus relâcher la tension jusqu'à la ligne d'arrivée. Et par conséquent, je suis un peu bloqué. Là, pour remonter maintenant, faut pas juste faire du filoutage et être habile sur son vélo. Non, là, ça demande énormément d'énergie, de l'énergie que je n'ai pas forcément. Et encore une fois, de l'énergie que je n'arrive pas, en tout cas actuellement, à aller chercher, même si je l'ai dans les jambes. Donc malheureusement, là, je me retrouve complètement dans le fil de coureur. Et il reste encore 1,5 tour à parcourir. Faut vraiment que je replace avant le sprint final. Mais dans la ligne droite avant l'arrivée, par exemple, on était à plus de 60 km/h quasiment. Ça roule vraiment beaucoup trop vite. Et il y a beaucoup de vent ici, hein. Ça vient de la gauche, le vent. Et regardez, mon cœur est en train d'exploser. Je me rapproche petit à petit des 190, donc petit à petit dans mon réel max. Et à ce moment-là de la course, je me suis dit, ok, là, c'est très très difficile. Est-ce que je vais réussir à suivre jusqu'à l'arrivée ? J'en étais là, en fait. J'en étais pas à « je veux gagner ». J'en étais à « est-ce que je vais réussir à finir sans sauter ?» Parce que là, ça roulait vraiment très très fort. Bon, j'en ai parlé avec d'autres coureurs. Effectivement, ça roulait vraiment fort. C'était pas juste moi ou juste dans ma tête. Ça roulait particulièrement fort sur cette course.
De toute façon, avec une moyenne aussi élevée, c'est assez difficile de pouvoir faire la différence. Mais bon, il y en a quand même qui sont actuellement devant le peloton en train de rouler. Et moi, je suis à l'agonie derrière. Donc, il y a quand même des mecs qui sont plus forts que moi. Et donc, il va falloir y travailler. C'est pour ça que très prochainement, je vais partir en Espagne peaufiner ma préparation. Il me reste encore une course à parcourir, vous verrez la semaine prochaine. Et ensuite, je partirai pour me préparer. J'ai 3 semaines de préparation supplémentaire. Parce que, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas prêt. Mais encore une fois, c'était prévu en fait dans mon programme de course. Alors sur le coup là, c'est hyper frustrant parce que j'arrive pas à me battre comme j'ai l'habitude de me battre sur une course. Mais c'était prévu avec mon entraîneur. Le but c'était pas d'être en forme dès mi-février, mais d'être en forme à partir de mi-mars quand je vais revenir d'Espagne. Donc rien n'est grave, faut pas s'affoler, même si pour être sincère, je le vis pas très très bien que d'être aussi en difficulté sur des courses comme celle-ci. Et regardez, ça roule encore une fois ici à plus de 50, mon cœur va toucher les 190 BPM, et dans cette petite côte faux plat ici, je suis en difficulté, sincèrement, je suis à la limite d'exploser. Il nous reste un tour à parcourir, et là je me dis, ça va être très très long ce tour-là, alors que je suis même pas en train d'essayer de jouer la gagne. Donc c'est hyper frustrant pour moi, j'ai pas l'habitude d'aborder une course comme celle-ci, dans une mentalité où je veux juste finir dans le peloton. C'est pas ça qui m'amuse dans le vélo, et là je m'amuse pas du tout, hein, pour être sincère. Je veux vraiment réussir à aller chercher des résultats, surtout en Open 1. En élite, on sait que c'est vraiment un autre monde et que là ils sont beaucoup plus forts. Mais en Open 1, l'année dernière, vous avez pu voir, certes sur des courses très particulières, mais j'avais été chercher une place de 5, une place de 7. Donc j'ai concrètement les capacités pour, mais faut que je reste concentré, faut que je progresse encore un petit peu, et surtout faut que je sois patient. Et là, pour le coup, je suis pas patient. J'ai envie de marcher maintenant, j'ai envie d'être beaucoup plus fort tout de suite, mais il va falloir être patient au moins jusqu'à mi-mars, quand je reviendrai d'Espagne, et là on pourra vraiment faire un état des lieux de ma forme du moment et prendre en compte ce qui se passe, voir si jamais je suis en contre-performance ou si jamais j'ai réussi finalement à me préparer comme il faut. Sur ce dernier tour, je vais passer tout le tour à plus de 180 BPM. Les gars qui roulent à l'avant du peloton, ils ont roulé particulièrement fort, hein, ils nous ont fait très très mal, surtout nous. Derrière, on se tape un petit peu toutes les relances x2, parce que forcément, il y a un effet d'accordéon qui accentue toutes les relances. Il n'y en a pas beaucoup sur ce circuit-là, mais mine de rien, ça fait quand même très très mal. On arrive maintenant doucement sur la ligne droite qui va nous emmener jusqu'à l'arrivée. Eh bien, je suis toujours plus ou moins à la même position, environ 60e place. Je n'ai pas bougé du tout d'un millimètre, tout simplement. Je suis exactement quasiment à la même place que quand je suis parti au départ de la course, pendant la course. Et maintenant, je suis toujours dans les 60 premières places. C'est dingue de ne pas avoir bougé comme ça. Alors, je suis quand même content, c'est que dans les moments les plus difficiles comme ici, qui demandent énormément de puissance, je suis capable de les mettre, ces watts, donc je suis quand même content, c'est quelque chose qui est cool. Le mec à droite là, il a gagné une course en Open 2 l'année dernière sur une course où j'étais présent. Enfin voilà, il y a des mecs très très forts autour de moi qui sont en difficulté et ça me rassure. Parce que je me dis, je suis pas le seul à être à bloc, je suis pas le seul à être en difficulté sur un circuit aussi rapide que celui-ci. Donc d'un côté, je suis rassuré. Maintenant, il nous reste 1 km à parcourir pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Bon, vous l'avez compris, c'est pas aujourd'hui que je vais gagner. De toute manière, l'échappée va se jouer la gagne. Ils vont donc arriver pour la première jusqu'à la 5-6e place. Bravo à eux, ils ont été très très forts parce que quand je vois comment ça roule vite, eux à 5-6 devant, ben, ils devaient rouler vraiment vraiment très vite pour s'accrocher. Ils ont failli se faire reprendre, ils avaient plus de 20 secondes à la cloche et là, ils sont juste devant le peloton. Mais ils ont réussi à aller au bout et ça, c'est le plus important. Maintenant, le peloton se joue le sprint et moi, je vais franchir la ligne tranquillement en 69e position. Donc voilà, une course qui s'est passée, hein, sincèrement, voilà, la course s'est passée, j'étais là, j'ai pas vraiment participé à quoi que ce soit, voilà, j'espère que à mon retour mi-mars, ça sera différent. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes content tout de même de cette course, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça sera une course en élite, vous verrez, à la prochaine. Bye bye. Le bloc de gros bouton. C'est revenu, c'est un autre groupe qui est apparu. De toute façon, je vais réussir à monter. Ça roule quand même. Vous avez combien de moyenne? 44,6. On a fait plus qu'au plage. Ouais. Ah, c'était plus dur que le week-end dernier pour moi. Ça va? T'es tout seul. Tu rentres pas comme ça dans la maison, hein.
Ouais, ouais, mais j'ai rien pu faire sur le sprint. Ça roule un peu vite. Ouais. T'étais derrière toi ? Je t'ai pas vu. Ouais, ça a monté. En vrai, devant, ça allait. Quand t'es bien placé devant... Ouais, c'est ça. Ouais, mais moi, faut remonter. Ah, mais j'arrivais pas. Et deux fois, je suis revenu quasiment à ta hauteur. Et sinon, j'ai jamais vu. Ouais.